bien, nous allons accueillir le premier combattant français pour ce France-Chine. Il a la lourde tâche de faire l'ouverture. C'est notre ami Anthony Lim qui sera opposé à Chen Chuai. Voilà. Voilà le combattant de la délégation chinoise qui arrive au pas de course tranquillement, souriant, sûr de lui. Il faut dire que c'est un garçon d'expérience. Enfin, vous allez le voir dans le combat, je pense. Arbitre de plateforme, Pascal Jacobson. Ancien compétiteur, il a beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, pour être un bon arbitre, il faut avoir l'expérience de la haute compétition. Les adversaires se saluent. Le respect mutuel que se doivent les bons combattants. Voilà, d'entrée, le Chinois montre tout de suite ses possibilités avec une attaque dans les jambes. Alors, il faut savoir que en Sanda, les saisies sont importantes. Là, notre ami Anthony a touché le sol avec le poing. Donc, c'est un point pour le Chinois. Mais je pense que Anthony a compris l'attaque, la tactique du Chinois. C'est pas grave. Mais attention de ne pas continuer à donner des points à Chen. Belle esquive. Très très beau coup de pied de côté du Chinois. Hein. Très très beau coup de pied du Chinois. Excellente technique de jambe de la part de Chen Juai. Là, je vous laisse admirer au ralenti ce placement de corps. Une excellente vision, il faut dire que le Chinois a l'expérience. Voilà, le Chinois continue à contrer. Il a une garde basse, il ne craint pas les points d'Anthony, c'est dommage. Voilà, tentative de saisie, très très beau contre d'Anthony. Ah oui, c'est normal, le Chinois tente encore son coup de pied bas pour déséquilibrer Anthony. Normal, ça a marché une fois, deux fois, il continue. Voilà. Anthony tente un peu de pression, c'est bien. Bravo. Beaucoup d'œil. Malheureusement, la sortie n'est pas comptée parce que le Chinois a entraîné Anthony avec lui. Bien contré. Voilà, fin du round. Avec, je pense, une victoire de round pour le Chinois. Chen Juai a emporté ce premier round. Rien n'est fini. Tout reste à faire parce que c'est en deux rounds, sous les conseils des entraîneurs, Nordine Zenati et Erasva Mustafa, qui sont les entraîneurs de l'équipe de France. D'ailleurs, ce qu'il faut dire qu'ils font un excellent travail de détection d'une part et d'entraînement et de progression de l'équipe de France qui a fait de très nets progrès ces dernières années. D'ailleurs, il faut rappeler les dernières médailles obtenues au dernier championnat du monde à Macao. Deuxième round, je pense que Anthony, sous les conseils de ses entraîneurs, va faire un peu plus de pression. Attention de ne pas tourner le dos à Chen, très rapide, il a une garde basse, très excellent coup d'œil, dommage la saisie n'a pas,
pas été conclu par une projection. Très très bien arbitré par M. Jacobson. Attention, attention, effectivement, un peu plus de pression. La garde basse du chinois est trompeuse, faut pas se laisser endormir. Très très bel enchaînement de points. Voilà, bien bien, bien contré. Anthony a une bonne garde, elle est fermée. Garde fermée d'Anthony, c'est bien, peu de pression. Voilà, il oblige le Chen à reculer. Attention, remise. Dommage. Là, il y a un toucher de sol qui donne encore un petit avantage à Chen. Sous son air décontracté, Chen quand même domine le combat, marque des points. Bien, 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 bien. Très, très bel enchaînement de Anthony. Temps mort parce que il a arraché le casque de Chen. Hein. Et vous voyez, le chinois attend tranquillement que son entraîneur lui remette le casque. Ça lui donne du temps pour respirer et d'avoir un petit conseil au passage. Mais l'arbitre Pascal Jacobson veille et ne laisse pas trop faire les entraîneurs. Ah, c'est un match un petit peu tendu pour Anthony. Il faudrait qu'il se libère un peu plus, mais c'est une pression énorme. Hein. Ouverture de ce premier France-Chine, premier combat, fin du round, fin du deuxième round. L'arbitre ne donne pas la sortie, il avait arrêté le combat avant. Nous allons attendre la décision des arbitres. Eh bien oui, rouge, drapeau rouge, donc Chen Chuai l'emporte normalement. C'est un garçon, vous l'avez vu, il a l'expérience. Mais c'est excellent pour Anthony Lim qui prend de l'expérience, il voit le haut niveau. Donc le maire de l'Aizhou va remettre les médailles à ces deux champions. Médaille d'or, bien sûr, à Chen Chuai. Médaille d'argent à Lim Anthony, qui a fait un beau combat. Et c'est très intéressant pour la guerre. Voilà, remise des médailles. La délégation chinoise était venue en grand nombre pour cette rencontre avec le maire d'une très très grande ville et d'une grande province qui compte à peu près 90 millions d'âmes. C'est une petite province. Bien sûr, un petit souvenir de la Tour Eiffel, le souvenir de Paris. Voilà. Eh bien, c'est une soirée pour la fédération est exceptionnelle, de très très beaux combats. On s'est aperçu encore une fois que les Chinois avaient un excellent niveau, puisque vous avez vu les résultats, 5-2. Mais pour nous, c'est très intéressant, l'étude de la pratique et de pouvoir donner à nos jeunes compétiteurs de l'expérience en vue des championnats d'Europe prochains et des championnats du monde. Le Kung Fu est un art martial plein et entier, technique et combat. Bien sûr, le Kung Fu est un art martial chinois et la Chine a quand même quelques millénaires d'avance. Mais on les grignote petit à petit
avec des combattants comme Stéphane Attali, Nicolas Gardra, les frères Moa aussi, et des jeunes qui, prometteurs. Les Chinois ont fait une démonstration quand même technique. Je pense que le public ne s'y est pas trompé et que ça vous a fait plaisir de voir cette technique du sanda. Le sanda est un règlement de compétition très intéressant qui allie les poings, les pieds, les saisies, les projections et tout ça sur une plateforme. Et malheureusement pour certains, parfois les sorties coûtent très cher parce que le règlement, vous ne l'avez pas vu peut-être de près. Deux sorties fait perdre le round malgré qu'on puisse être dominateur dans les autres paramètres. Le comité national de Kung Fu Wushu a été heureux de vous présenter cette rencontre France-Chine. À bientôt, le plaisir de se revoir.